Donc le pôle d'innovation Synergil est une association donc, de type loi 1901, donc à but non lucratif, qui regroupe une soixantaine d'adhérents. Ce pôle d'innovation ambitionne à la fois d'être une interface active entre les acteurs du secteur socio-professionnel, bien sûr, mais aussi du monde institutionnel et de la recherche. C'est aussi un pôle qui se veut être un catalyseur pour booster donc, les capacités de développement du potentiel d'innovation des acteurs du territoire en créant plus de synergies entre ces acteurs. Ce pôle est positionné sur ce qu'on appelle les transitions écologique et énergétique, et il le fait en partenariat avec deux pôles de compétitivité, l'un situé dans l'Hexagone, donc c'est Cap Énergie, donc qui travaille sur les énergies renouvelables, et l'autre pôle, c'est Calitropique, qui est situé à La Réunion, mais qui est devenu en 2020 le pôle de la bioéconomie des Outre-mer. L'objectif du pôle d'innovation Synergil est d'accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, grandes, moyennes ou petites, pour les accompagner dans leur démarche d'adaptation énergétique, économique et d'innovation. La finalité de ce pôle est de rechercher des solutions adaptées aux besoins de ces entreprises pour qu'elles réussissent leur transition économique et écologique. Ils cherchent également à appuyer ces acteurs dans leur insertion dans des projets de recherche et d'innovation. Pour cela, pour ce faire, le pôle s'appuie sur 6 départements. Le premier, c'est le département Innove, ingénierie de l'innovation énergie et matériaux. Le second, c'est Guadeloupe Mobilité Durable. Le troisième, c'est le réseau bâtiment durable. Il y a deux départements qui sont constitués en observatoire, le département OREC, donc l'observatoire régional de l'environnement et du climat. Et le second, c'est l'observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, l'ORDEC. Et le sixième pôle, c'est l'économie industrielle et territoriale qui constitue le thème d'aujourd'hui. Le pôle d'innovation est financé bien sûr par ses adhérents, mais il reçoit également des subventions, principalement de la région Guadeloupe, de l'ADEME et d'autres structures. Le pôle d'innovation Synergil s'inscrit comme un acteur majeur du lancement de l'opération écologie industrielle et territoriale avec un ensemble de partenaires. Alors pour un territoire comme la Guadeloupe, qui est un territoire insulaire, qui est très dépendant vis-à-vis des ressources extérieures, en matière première hein, bien sûr, mais aussi en tant d'exutoire pour les déchets, donc la Guadeloupe est un territoire très très vulnérable sur ce sujet. Et donc l'EIT a pour défi de rechercher une meilleure valorisation, une optimisation de la valorisation des déchets, qui sont jusqu'à maintenant véritablement inexploités. L'écologie industrielle et territoriale, donc l'EIT, constitue l'un des leviers majeurs de l'économie circulaire. À destination des entreprises et des collectivités de la Guadeloupe, bien entendu, donc pour chercher à optimiser ce qu'on appelle les flux de matière et d'énergie sur le territoire, en recherchant donc une meilleure synergie entre acteurs. La démarche d'écologie industrielle territoriale s'inscrit dans les enjeux stratégiques de la trajectoire 5.0, donc soutenue par le ministère de l'Outre-mer, et dans les objectifs du développement durable, à savoir les objectifs 8, 9, 11, 12 et 13 et 17. Cette initiative comporte 4 objectifs essentiels. Le premier, donc, c'est chercher à économiser l'approvisionnement en matières premières. Le second, c'est de veiller à transformer mieux les déchets en ressources. Le troisième objectif vise à réduire les coûts en recherchant une meilleure mutualisation des biens, des services et des ressources humaines. Et le quatrième objectif vise à générer une amélioration des performances environnementales. Alors pour atteindre l'objectif zéro déchet en 2035, cette démarche doit reposer sur une dynamique partenariale forte. Pour ce faire, donc Synergil s'inscrit comme un acteur majeur pour créer de la porosité entre ce qu'on appelle le partenariat académique et le partenariat non académique, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, la société civile, les communautés d'agglomération, etc. En termes de partenariat, donc Synergil le pôle d'innovation Synergil a structuré donc un partenariat donc associant la région Guadeloupe, l'ADEME, la DEAL, la DIECT, l'AFD, l'Agence française de développement, des entreprises, la SARA, le Grand Port maritime,
Gardel, Albioma, Sogetra, et puis donc comme partenaire académique, INRA et Antiguyane. Et donc c'est ce consortium qui se concentre et se réunit pour décider des orientations à la fois stratégiques et organisationnelles de la démarche EIT. Plusieurs actions emblématiques sont conduites dans ce cadre et qui se cristallisent autour de quatre projets à titre d'exemple. Le premier projet, donc, c'est ce qui se passe autour de la filière Cannes-Sucre-Rhum, qui associe donc Gardel à la société Albioma, donc avec un challenge fort autour de l'énergie. Le second projet, c'est Palette Hill, qui vise à échanger, mutualiser et mieux valoriser donc, les palettes entre différentes entreprises. Donc il y a un enjeu très très important pour la Guadeloupe à ce niveau. Le troisième projet s'intitule Tri-5-Flux. Il a pour ambition de générer une gestion optimisée des déchets entre les entreprises. La dernière action emblématique s'appelle Karoo Exchange. Elle a pour ambition de développer une plateforme d'échange qui viserait à faciliter les échanges entre acteurs pour la gestion des ressources et des déchets. Donc l'enjeu de la démarche qui a été lancée en Guadeloupe via l'action conduite par Synergil, c'est véritablement de renforcer la compétitivité du territoire et les bénéfices environnementaux en créant, en suscitant un lien plus fort entre les enjeux à la fois économiques mais aussi environnementaux. Donc le renforcement de la compétitivité du territoire est contingent, on va dire, du renforcement des interactions entre acteurs pour créer de l'emploi sur les territoires, aussi inscrire ces emplois dans des filières locales qui favorisent la valorisation des ressources locales. La finalité de la démarche enclenchée via Synergil est de créer une véritable force de frappe sur la zone de Jarry, qui réunit 3500 entreprises à caractère commercial ou industriel sur une surface de 300 hectares. Alors l'idée est de faire de cette zone pilote une zone inspirante pour extrapoler cette démarche sur d'autres territoires et irriguer donc les dynamiques qui pourraient se mettre en œuvre.